Bonjour à tous, je m'appelle Michel pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ambassadrice Elisa Cavaletti et je vous présente la collection printemps-été 2024 pour le site italianchic.com. Donc j'ai enfilé à cette occasion une très jolie robe satinée soyeuse avec une encolure coulissante et une très jolie veste grosse maille dorée, beige doré, en bicolore, avec un très joli motif sur le bas. C'est pour les adeptes du rouge. Donc pour les adeptes du rouge, nous avons un foulard long en soie qui va avec. Nous avons un caftan. Alors le caftan, il est très bien, très facile à porter. Les caftans, je les recommande pour ceux qui... C'est facile à enfiler, c'est soyeux, c'est fluide. Ce sont des matières qui... et des formes très agréables à porter quand il fait chaud, comme en ce moment. Aujourd'hui, à côté de Bandol, donc à Olioule dans le Var, il a fait 41 degrés. Hop, je me suis trompée de tout. Voilà. Ça, c'est le cas. Alors, nous avons un petit leggings bicolore, dans un leggings court, leggings pantacourt, dans les rouges, et c'est un beige top. C'est entre le chamois et le chameau, je dirais. Et vous avez une petite robe fluide. Voilà. Petite robe fluide avec petite manche, très légère, une plume, très agréable. Nous avons cet ensemble qui me plaît énormément, c'est-à-dire vous avez la jupe, caramel, chameau, chamois, et le haut qui va avec, un superbe haut, avec des manches ouvertes, des manches aériennes, chauve-souris. Alors, ça existe en plusieurs coloris. Non, pas celle-là. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc, vous voyez bien, cet ensemble, c'est une splendeur. Ensuite, nous avons dans la même gamme une robe en coton. C'est un coton rouge avec une poche. Avec une poche. Un pli dans le dos et un petit bijou. Pinocchio, c'est quoi ça? Un petit clou. Un petit clou. Nous avons ensuite un sweat. Le sweat, bien entendu, c'est pour aller soit avec le avec la jupe, soit avec le leggings. Voilà. Il faut aimer le rouge. C'est un rouge vermillon. Alors, il y a une robe, robe blouse, à l'encolure très montante, je le dis pour celles qui craignent, hein, parce que elle est très haute, l'encolure est très haute. Voilà. Mais la robe est très agréable, ça fait robe blouse, une grande poche latérale, et c'est du coton. Nous avons aussi, celle-là je ne l'ai pas montrée, celle-là est très très agréable. Je l'ai essayé déjà, je l'ai porté avec le petit clown. Ça, c'est du fluide. Et cet imprimé est heureux. Il est beige et cru. Et ce rouge vermillon. Ensuite, il y a un pantalon. Non, c'est un pantalon. Non, c'est une jupe portefeuille. Il y a une jupe portefeuille très ouverte. Peut-être à porter sur le legging. Ce sont des pièces que je découvre en même temps que vous. Hein. Donc des fois, une tunique. Je ne suis pas très adepte, hein, à part deux pièces de cette... c'est une gamme qui est particulière. Hein. À part la jupe, avec le haut, la robe longue, et le caftan, et le foulard, je ne suis pas... voilà. C'est une question de goût.
c'est quelque chose qui ne me correspond pas à mon style. Mais après, évidemment, je n'ai pas la panacée et le style de tout porter. Voilà. Alors, en ce qui concerne... Voilà. Et nous avons aussi un petit t-shirt blanc qui a un rappel de rouge lobe dessus. Voilà, ça c'est sympathique, c'est facile. Donc cette vidéo de rouge, ben, elle s'arrête là. Ah, pendant que j'y suis, je vais vous présenter aussi le sac Chopper, tout en toile de coton, brodé Elisa Cavaletti, hein, et qui existe, je crois, en deux coloris. Voilà. Un grand sac Chopper. Est en vente sur le site. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo. Merci.